Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce que les étudiants d'Harvard, de Stanford, d'Oxford révisaient? Moi, je me suis posé cette question et voici ce que j'ai découvert. Salut, moi c'est Jayan, je suis un étudiant Adophine qui t'aide à réviser efficacement, intelligemment pour avoir de meilleures notes en moins de temps. Aujourd'hui, on va voir les 3 habitudes des étudiants à succès que tu peux recopier toi aussi et que j'utilise aussi personnellement. Alors, petite précision, quand on se dit étudiant à succès, je ne veux pas dire étudiant riche, je veux plutôt dire étudiant qui a de bonnes notes à l'école. La première habitude, c'est utiliser la répétition espacée. La répétition espacée, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de revenir régulièrement sur ton cours pour ne pas l'oublier, pour réduire la charge de travail à long terme. Donc par exemple, le premier jour, tu vas aller revoir ton cours, le deuxième jour, tu vas encore le revoir, le quatrième jour, tu vas le revoir, le sixième jour, tu vas le revoir, le dixième jour, tu vas le revoir encore une fois. Et si tu as remarqué, l'intervalle, en fait, il est différent à chaque fois. L'intervalle, en fait, il est de plus en plus grand, il se creuse de plus en plus. Et c'est ça, en fait, le concept de la répétition espacée. Tu attends, en fait, d'oublier un petit peu ton cours pour par la suite revenir dessus et consolider ta mémoire. Et en fait, cette répétition espacée, elle est en direct corrélation avec la courbe d'Ebbinghaus ou la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli est un concept très simple qui a été découvert donc par Ebbinghaus suite à plusieurs études scientifiques. Et en fait, ce qu'il a remarqué, c'est très simplement, plus le temps passe, plus tu as tendance à oublier les informations que tu as apprises. Donc par exemple, si au jour 1, tu apprends une leçon d'une matière quelconque, le jour 2, tu vas peut-être t'en rappeler encore, le jour 3, un peu moins, le jour 4, encore moins, et le jour 5, peut-être que tu auras tout oublié. Et donc c'est pour contrer l'effet de la courbe de l'oubli que la méthode de la répétition espacée a été inventée. Donc comme je t'ai dit, la répétition espacée te permet en fait de réduire ta charge de travail à long terme. On va prendre un exemple très simple, imaginons que tu aies une grande épreuve dans 3 mois. Les professeurs, pour te préparer à ce grand contrôle, vont forcément te faire des petits contrôles concernant des chapitres que tu verras donc dans le grand contrôle. Et donc cela veut dire concrètement que par exemple 2 mois avant, tu devras déjà réviser les chapitres qu'il y aura pour le grand contrôle, mais aussi pour le petit contrôle. Et donc ça veut dire que si tu décides seulement de réviser pour ce petit contrôle, mais que tu décides de ne plus revenir sur l'information entre le petit contrôle et le grand contrôle, une semaine avant les grands examens, tu auras tout oublié et tu devras te retaper tous les chapitres que tu as révisés il y a 2 mois. Et si par exemple tu avais révisé pour le petit contrôle et que tu étais revenu donc régulièrement sur ta leçon pour préparer le grand examen, eh bien tu verras que par exemple une semaine avant cet examen, tu auras déjà retenu presque 90% des informations que tu devais savoir. Habitude numéro 2, c'est de prioriser l'activité à la passivité. Activité, c'est donc de mobiliser un effort derrière ta révision. Ce n'est pas simplement lire, par exemple, ou souligner. Ça, c'est des méthodes de révision un petit peu plus passives et donc un peu moins efficaces. Par contre, des méthodes de révision un petit peu plus actives, comme faire des flashcards, faire des quiz ou réciter simplement son cours sans regarder, ça, c'est beaucoup plus efficace pour mieux retenir ta leçon parce que tu joues vraiment avec l'information. Tu l'absorbes et tu l'intègres à ta mémoire grâce à de la pratique et pas seulement grâce à de la théorie. Si tu veux plus de détails sur les méthodes de révision actives, je te conseille vraiment de t'inscrire au mail privé parce que parfois je te partage des méthodes de révision active qui sont en plus prouvées par des arguments scientifiques. Enfin, on va passer à la 3e habitude qui est donc de faire du deep work. Le deep work, qu'est-ce que c'est? Le deep work, c'est une activité demandant beaucoup d'efforts mentaux, de concentration, mais aussi qui n'est pas facilement réplicable par quelqu'un d'autre. On parle par exemple d'écrire un livre, d'écrire un article d'un blog ou de faire simplement une rédaction. De l'autre côté, opposé au deep work, on a le shallow work. Le shallow work à côté, c'est des activités un petit peu plus facilement réplicables, un peu plus simples, qui demandent peu d'énergie mentale, comme juste passer le balai, faire la vaisselle, etc. Et donc ce que je te recommande de faire, c'est donc de faire du deep work. Le deep work, c'est donc se concentrer pendant une longue durée, donc c'est environ 1h, 1h30, sans distraction. Et donc tu te plonges pleinement dans une tâche et tu verras que tu rentreras dans cet état de flow. Cet état de flow, c'est cet état de concentration maximale où tu oublies la notion du temps et où tu es complètement concentré sur ta tâche. L'état de flow favorise notamment la créativité, favorise aussi ton bonheur personnel, mais aussi ta performance au travail. Et moi, ce que je recommande personnellement pour rentrer dans cet état de flow, c'est vraiment de mettre une musique que t'aimes bien, qui est calme et qui favorise donc ta concentration. Donc voilà, petite vidéo rapide. Si t'as aimé cette vidéo, je te recommande la vidéo « Comment apprendre plus vite, technique de champion du monde » qui s'affichera juste ici. Comme d'habitude, like cette vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne seulement si tu penses qu'elle va t'aider à avoir de meilleures notes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !